Salutations à toi, jeune entrepreneur, en espérant que tu te portes bien. En tout cas, moi, ça va. Aujourd'hui, je passe 24 heures avec vous. Let's fucking go. C'est une sorte de vlog, une vidéo où je vous montre carrément tout ce que j'aurai à faire tout au long de cette journée. Donc, c'est parti. Avant de commencer toutes mes courses, je vais simplement vous rappeler de me laisser, on va dire, vos messages, de me laisser vos messages, de me laisser vos préoccupations, vos questions surtout. J'aurai à y répondre, on va dire, dans pas longtemps. Je ne veux pas faire une vidéo où j'aurai plus ou moins, on va dire, 13 questions, c'est peu carrément. Raison pour laquelle j'attends l'accumulation de vos messages, l'accumulation de vos préoccupations. À ce moment-là, je saurai, je serai en mesure de réaliser cette vidéo. Donc, c'est parti. On traverse déjà la période qui sépare l'hiver, on va dire, de l'été. Raison pour laquelle tout le monde est en pardessus, en veste carrément pour essayer de se protéger contre le froid. Donc moi pareil frère, moi pareil frère. En tout cas je suis vraiment très très bien protégé par ces mini vestons. Alors j'aime pas, en tout cas j'aime pas trop cette période, mais on n'a pas assez souvent le choix. Donc on est impérativement censé nous protéger contre le froid. Pourquoi? Parce que cette période, c'est une mauvaise période. Parce que le vent souffle et le vent est un tout petit peu glacial aussi. Hein. Quand bien même il y a le soleil, c'est un peu aberrant. Parce que quand il y a le soleil, c'est-à-dire il fait vraiment, alors vraiment froid. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a la température, on va dire, elle est stable. Et puis tout est bon, on va dire. Il ne fait pas assez froid jusque-là. Là, je prends le métro pour descendre en ville et je poursuis ma journée tranquille avec vous, bien sûr. Alors, family, là, j'arrive carrément dans un métro qui va me ramener jusqu'en ville. Le masque est toujours exigé jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes toujours un tout petit peu menacés par cette pandémie, mais ce n'est pas aussi, on va dire, rigoureux que ça actuellement. C'est juste pour le transport en commun, en fait. Mais dans la rue, y a plus carrément de contrôle. Donc voilà, on poursuit. Le métro le plus vaste, on va dire, c'est plus à Moscou, on va dire. C'est plus qu'à Moscou. Mais c'est que moi, j'aime bien. C'est plus le métro qui sont à Saint-Pétersbourg carrément. Le ligne de métro de Saint-Pétersbourg, c'est bien joli. Et ce n'est pas aussi vieillot que ça. Donc voilà. Celle-ci, c'est ma rue, en tout cas de tout le jour. Hein. Pour me rendre au boulot, je l'emprunte tout le jour carrément. Alors je vous fais profiter de tout ça. Je suis carrément en ville, mais je dois me débarrasser en tout cas de cette touffe. Ça doit faire déjà 2 semaines. Alors je me rends chez mon coiffeur, vous m'accompagnez. C'est parti, let's go. Ceux qui se poseront la question, sachez que je suis dans la République du Tatarstan, à Kazan carrément. Donc c'est simplement ma ville, on va dire. C'est là où moi je réside. Donc voilà. Là, je suis dans un magasin d'électronique. Je viens rechercher un micro carrément, un micro pour le live, pour, on va dire, pour simplifier, on va dire, le son, pour que ce soit fluide et tout. Je ne sais pas si je trouverai un ici. Je recherche, donc voilà. Malheureusement, family, dans cette boutique, on va dire, d'accessoires électroniques, je n'ai pas trouvé un bon micro. Ce qu'il y avait là, c'est ce que j'avais déjà auparavant, en fait. Donc ce n'est pas le bon carrément. Je ne parlerai vraiment pas de ces magasins, soit de cette boutique en tout cas. Voilà. Et puis j'ai bien voulu passer chez mon coiffeur, mais tellement qu'aujourd'hui là, il y a du monde comme pas possible et il fait beau. Donc toute la journée,
est vraiment, alors vraiment carré. Il faudra que j'attende, il faudra que je patiente. C'est un peu chaud, mais bon, ce n'est pas un problème. Je reviendrai peut-être demain ou après-demain. Donc c'est voilà, une avenue attractive qui grouille en tout cas du monde pendant le week-end surtout. Maintenant là, il y a peu de monde. Pourquoi? Parce que c'est le début carrément de la semaine. Il y a plus de jeunes bien sûr, mais il y a vraiment peu de monde. Привет, привет. Хорошо, как у тебя? Sans de personnes qui distribuent de tracts carrément, que ce soit de magasins, de restaurants, de musées, ainsi de suite. Et c'est ce genre de boulot, on va dire, que plein d'étrangers, surtout étudiants, font à Moscou. Donc, par faute de trouver mieux, et surtout pendant l'hiver, on va dire, ils sont plein. Dans presque tout le coin de métro, tous les arrêts des bus carrément, il y en a beaucoup. Assez d'ailleurs, assez. Moments later. Je viens d'atterrir carrément dans un petit café. Je vais prendre un petit latte rapidement. En espérant en tout cas, ça va toujours pour vous. Moi, je poursuis la journée bien sûr avec vous, tranquille. Je me suis arrêté dans un petit café. Le temps de prendre, on va dire, un petit latte carrément. C'est un genre de cappuccino pour ceux qui ne connaîtront réellement pas. Je vais vous le balancer carrément sur cette vidéo et puis vous verrez à quoi ça ressemble. Je sais que je prends assez parce que moi avec le chai ça va encore, le thé ça va encore, mais le café c'est un peu genre. Donc voilà. Et en fait j'ai bien voulu me débarrasser de cette touffe. Jusque là c'est un peu chaud, il faudrait que je cherche un autre barbeur, mais là. Tout le monde veut également se faire beau puisque c'est le début de la semaine carrément, je comprends. Si je n'en trouve pas, ce sera pour une prochaine fois, donc voilà. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, c'est une sorte de café carrément, on va dire. Et c'est bon, c'est délicieux. L'une des plus belles avenues carrément de Kazan. Là, je sors de ces mini cafés carrément, je dirais. Je me rends au grand marché pour faire quelques courses, on va dire, et puis voir un tout petit peu s'il y a possibilité de m'acheter un fond vert, on va dire, un drap vert carrément, tout simplement. Donc voilà, on se tamponne là-bas, c'est parti. A few minutes later. Là, c'est l'entrée du grand marché carrément. Je me rends là pour effectuer quelques courses, en tout cas de tout le jour, acheter ce qui me manque carrément, et puis ce sera bon. Cette vidéo, c'est vraiment dans l'esprit de vous montrer ce qu'il y a de plus clair ici. Ce n'est pas toujours, on va dire, la joie, ce n'est pas toujours de lieux merveilleux, mais c'est l'ensemble, on va dire, de tout ça aussi. Mes courses, la vie, on va dire de la meilleure façon qu'il soit. Donc, raison pour laquelle je le fais avec mon cœur carrément. Pour que vous voyez un tout petit peu à quoi sera votre vie une fois vous serez ici. Donc voilà. Je viens carrément un peu tard. Tout est presque déjà fermé. C'est un peu genre, mais c'est dommage. C'est quoi le cas? Je cherche un pays d'autre. Хорошо. Еще килограмм, пожалуйста, за морковь. Voilà, je suis en train de faire le marché. Hein. Donc voilà, je fais le marché tranquillement, donc comme un bon célibataire qui se respecte. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc je suis vraiment dans le marché, quoi. Voyez-vous, derrière moi, il y a un peu. C'est un tout petit peu dommage parce que tout ce que je voulais réellement acheter aujourd'hui, là, je n'ai pas pu puisque il est un tout petit peu tard, carrément. Un tout petit peu tard. J'ai passé, on va dire, plus de temps dans mon petit coin, dans ces cafés, ainsi que avec un ami, raison pour laquelle je me suis présenté ici un peu tardivement. Mais c'est pas bien grave, je reviens peut-être demain pour acheter certaines choses que je n'ai pas pu aujourd'hui. Donc voilà. Je viens au central de la poste parce que je devais envoyer un petit truc au pays. Jusqu'à maintenant, les frontières sont toujours fermées. Voilà comment c'est la poste de la Russie quand même. C'est un peu genre. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je reviens ici, c'est toujours la même chanson. Tant que les frontières ne seront pas ouvertes,
Alors envoyer un colis en Afrique, ce sera toujours un tout petit peu difficile, mais bon, je vais essayer à un moment donné. Donc voilà, je partage complètement cette journée avec vous, donc supportez un peu la longueur, on va dire, de ces vlogs, soit de cette vidéo. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est la gare carrément. Vaxal, ça s'appelle en russe. C'est pas mal en tout cas, c'est pas mal, c'est beau, c'est super en tout cas. Et à chaque heure, chaque minute, il y a le train qui viennent et vont. Donc, c'est beau. Là, je suis dans le tramway carrément. J'ai quitté la poste. La gare est juste ici, alors c'est l'arrêt carrément, l'arrêt central pour les tramways. Il y en a beaucoup, voyez-vous, il y a un d'ailleurs qui est en train de passer là. C'est vaste, c'est beau, c'est joli. On poursuit. Je viens d'arriver dans l'un des plus grands centres de Kazan. Je viens faire certaines courses ici rapidement. Là, je suis carrément dans un très 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 grand magasin. Enfin, ça s'engendre un peu tout. Il y a un peu de tout ici. Il y a l'électronique, il y a le boisson, il y a de liquide de frein. Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Donc voilà. Voilà, cher ami, c'est pratiquement, je dirais, le dernier périple. Donc, je suis passé par ici parce que je dois dégoter deux ou trois produits carrément. Une fois que je les aurai, en ce moment-là, je pourrai bel et bien dégager et clôturer cette vidéo carrément. Merci, merci encore de me soutenir, on va dire. Merci de m'apporter de la visibilité aussi, d'aider la chaîne à avancer. Vos likes, vos commentaires, s'il vous plaît, nécessitez toujours de le mettre, partager mes contenus pour ceux qui s'y intéresse réellement et si ça en vaut réellement la peine, parce que je ne vous force pas non plus. Ce qui tombe sur la chaîne, abonnez-vous, on poursuit la vidéo. Voilà, le cher ami, fin, je me suis arrêté dans ces restos vietnamiens pour bouffer, on va dire, un tout petit peu différemment aujourd'hui avec leurs canettes de jus qui sont totalement différents et très très délicieux. Donc ça régorge beaucoup, alors beaucoup de monde ici à chaque fois. Donc c'est mon seul arrêt carrément. Donc voilà. Donc cher ami, merci d'avoir passé le 24 heures avec moi tranquillement. J'ai pu, on va dire, faire mes courses comme il le faut pour cette journée. En tout cas, le compte est bon, chaque jour suffit sa peine, comme on l'a dit. Donc on se retrouve dans une très très nouvelle vidéo très prochainement, on va dire, soit dans un prochain live carrément. Et ben, portez-vous bien. Likez, soutenez la chaîne, abonnez-vous pour voir ceux qui découvrent la chaîne grâce à cette vidéo. Grâce à vous, c'est like, c'est commentaire, c'est partage. Ça rend de plus en plus, on va dire, waouh quoi. Merci de tout, alors, de tout ce que vous m'apportez. Moi, c'est Vimao Ede. Portez-vous bien. Ciao, ciao.